Bonjour, petite vidéo rapide aujourd'hui. Bon, à Cannes, j'avais mis 4 chevaux. Alors, vous savez que ça, c'est très... les quintés du lundi sont travaillés le vendredi. Hein. Donc, j'en avais mis 4. De die, tu ne peux jamais t'en sortir. Hein. Chez les jeunes, c'est toujours ça. J'ai bien raison de pester. Quand ils choisissent les jeunes générations peu fiables dans les quintés. D'ailleurs, j'avais fait un petit texte au départ pour dire, c'est pas possible, ils vont choisir cette course. Bon, ils ne pouvaient pas prendre le prix de Saint-Étienne dans la 8e. Il y avait trop de chevaux ferrés aux 25 mètres. Bon, ils ont préféré choisir cette course, mais vous remarquerez que la dernière course de G, il y avait eu deux grands favoris sur les trois favoris d'ail, et là, il y en a encore deux sur les quatre. Hein. Donc, tu passes jamais. Mais comme ce sont des gens qui ne jouent pas, ils ne se rendront jamais compte de rien. Donc, ces courses, il ne faut pas les jouer. Ou au moins, quand il y avait quatre bases, il fallait jouer. Bon, là, l'ordre, j'avais fait. Je ne savais pas quel ordre mettre. Après, j'ai mis le H en tête, mais après, je ne le sentais plus. Après, je voyais le 11 gagner. Oui, ah ben oui. Voilà, il fallait jouer au tiercé avec les deux Laurent-Claude Abrivard, 120 ou 130 euros le tiercé. Oh, plusieurs fois, là, je marronne. Ah ben oui. Parce que moi, j'ai fait des 1 plus 4 inversés. C'est-à-dire, je me suis dit, on ne sait jamais si les 4 sont 80 places. Hein, d'ailleurs, ça aurait dû être ça. Hein. Voilà, j'ai mis tous les outsiders en 5e à 25%. Et après, j'ai dit, fait, tu vas faire 2, 3 plus réduits par contre, là. Et j'avais fait 11. Oui. 11, 1, X10 et 11, 10, X1. Voilà. Et le 1 est lutté, et Raffin, comme on le voit plus à l'arrivée d'un seul quintet, et évidemment, die. Voilà. Ben voilà. Donc, comme je ne voyais plus que le 11 gagné, j'avais qu'à faire 11-1 et 11-10, je le faisais 10 fois, et tu prends 1300 euros vite fait au tiercé. Hein. D'ailleurs, on se demande pourquoi il a, comment il a pu faire 130 euros. Hein. Ah ouais, c'est un truc incroyable. Ouais, surtout que car, en plus, on le sait, c'est le deuxième quota de chevaux disqualifiés après Vincennes. Même si personne ne le sait. Hein. D'ailleurs, quand je les appelle, les dirigeants du trot, ils sont étonnés par ce que je dis. Évidemment, ils ne jouent pas. Donc, ils ne savent rien. Hein. Ferré aujourd'hui, pas un coup sûr. Bah oui, JLCD, c'est plus drivé. Alors, lui aussi, quand il y a cage durée, bah Vincennes, il n'y arrive pas. Il faut que... Maintenant, il met cage durée, quand il court à Lyon, la soie et à Genk. Là, il se dit, je suis motivé. Sinon, il n'est pas motivé. Hein. ER, on le voit vraiment arriver d'un quintet à ce moment. Hein. Toujours décevant, il y a du Pomereux, Firecracker, etc. Donc tu pourras voter Gingotellois, et il y en a eu d'autres. Hein. Grandiose B. Eh oui, mais bon, le problème, c'est que voilà, Grandiose B, sur coup, tu dis Hello à Brivard, on va le mettre un peu plus loin, et après tu vois ça, quoi. Quand tu pulvérises, voilà. Quand tu vois ça, c'était terminé. C'est pour ça, quand je dis ça, quand tu vois ça, un cheval qui vient de loin, vous savez que je suis le spécialiste des chevaux qui viennent de loin. Hein. Voilà, c'était terminé. Quand tu vois ça, tu te dis Grandiose B va gagner. Hein. Voilà. Gosé Charon en plus a répété le coup d'après. Voilà, donc voilà. Voilà, peut même gagner, j'ai rajouté. Voilà, c'est lui qu'il fallait jouer à la gagne. D'ailleurs, sur les deux pastilles vertes, le 11 a gagné. Quatre chevaux pour la victoire, même ça fait un peu trop. Gum du Poncelet, c'est travaillé déjà le vendredi, ça. Alors après, c'était Cédric Bloquet qui a fait les pronostics à Caen. Alors là, quand je fais les pronostics le vendredi, dans le turf, je l'ai le dimanche. Enfin, le dimanche ou un peu l'après-midi, enfin, 24 ou 48 heures après, je regarde Cédric. Quand c'est Cédric Bloquet, je suis en confiance. Il a émis les quatre mêmes premiers que moi. Je dis, c'est bon. Voilà, on voit souvent la même chose. Hein. Gum du Poncelet, bon, on l'a souvent pris en note, en plus à Caen, Gâteau Pardo qui revient à l'atelier, bon, je l'ai mis parce que l'écurie l'évêque marche sur l'eau. C'est Moïse, hein. Le bon gourou, cinquième décevant, et surtout Galago du Gadran. Ah ben voilà, le gagnant à 7 contre 1, et le couplet gagnant, ça démarrait déjà bien. Bon, voilà. Ensuite, Excessive Well, j'avais mis ça, et je savais pourtant que j'avais pris des risques, parce que j'avais pas mis Dreamer Angel, j'avais pas mis Amy Joyeuse, il y en avait d'autres encore, et bon, ben écoutez, moi j'ai mis une F déjà, qui avait gagné à Vincennes. J'avais mis Excessive Well pour Johan Le Bourgeois à Caen et Drusenheim, ma mythe que j'ai souvent donnée. Ben, sur les 20 dernières fois qu'elle a couru, je l'ai donnée 19 fois. Voilà. Alors, le premier, Die, la favorite. Donc, vu qu'il y a eu des faux départs, Die aussi, je crois. En tout cas, elle a, je ne sais plus si elle a été disqualifiée ou pas. D'ailleurs, il faut que j'aille vérifier. Première, un canter à 8 ou 10 contre 1. À 8 ou 10 contre 1, merci ma chérie. Eh oui, c'est ma chérie Drusenheim, on l'a repéré à ses débuts, celle-là. Et toi, comme un gros con, hein, parce que moi aussi, hein, et que tu es, que tu resteras, tu continues à jouer au quintet. Oui, parce que ce report, je devais le faire par 15 euros. C'est parce que c'est mythique des coups comme ça. Hein. Un 7 contre 1 et un 10 contre 1 sur PMU.fr. Normalement, c'est par 30 euros que je l'ai fait, je joue que ça. Hein.
Puis tu fais un reportage alors qu'il y avait des silos à gagner. Ben oui, mais quand tu as raté pendant 4 mois à Vincennes, dès qu'il était dans l'Andre pour une inversion ou des 10 silos le jour de Jérimaume, eh ben, tu joues au quinté, tu continues parce que tu crois encore qu'un jour ou l'autre, ça va, ben, peut-être que ça va frapper parce que tout ce qui se passe, ça va refrapper un jour ou l'autre. Je ne sais pas quand, mais ça va refrapper. Un jour où j'aurai les bonnes zones, un jour où les planètes seront alignées. Voilà. De notre côté, il faut reprendre confiance. Puis j'avais pris des risques avec 2 chevaux à 5 contre 1, pas conseillé. Ben oui. Ah oui, non, il y avait Fauve de Félière aussi. Ouais, mais c'est pas des gagnants, ça. Trimor Angel et Mi Joyeuse, je ne les sentais pas. Voilà. Alors en 2019, c'était par 30. Ouais, j'aurais gagné 2000 euros dans ce cours, juste avec 2 courses. Hein. Là, je l'ai fait par 10 euros. Hein, voilà, j'ai fait mes jeux au quinté de merde. Voilà. Un peu 693, voilà. Mais je suis content parce que bon, ça fait une bonne journée. Hein. Déjà, une bonne journée vendredi, une bonne journée là. Non, pas vendredi, c'est samedi, oui, à Vincennes, oui. Avec le pic 5 que j'aurais dû avoir en valeur. J'ai raté 800 euros en plus, et là, j'en ai raté 1500, quoi. Les silos, parce que là, maintenant, il faut réensiler, les gars. Vous savez que je vais tenir jusqu'à fin juillet tous les jours, et après, il y aura un mois de repos en août, hein, où je reviendrai juste avant le critérium, parce que comme c'est des courses de groupe, il n'y a que là que tu peux gagner des silos. Hein. Après, j'avais donné French Way of My Life premier, donc, peut même gagner, le seul que j'ai mis peut même gagner, c'était Grandiose B, ça a gagné. Hein. Ça a gagné, donc Gâteau Pardo, j'ai le gagnant. Hein, là, j'en mets 3. J'ai le gagnant à 10 balles. Bon, French Way of My Life, j'ai qu'à le rajouter aussi. Tu as un peu des couilles, Fred, pour 1,5. Et ben voilà, ça te faisait ton silo. Hein. Voilà, et pourquoi tu rajoutes pas Frégate Pénoise? Alors elle avait aucun rival à sa taille. Déclassée un seul lot, encore le gagnant. Hein. Tu peux prendre 2, 3 silos. Il y avait un paquet de pognon. Et là, tu attends les tickets. Oh là là, en plus, vous savez que le meeting de Caen, il est pas long. Il faut attaquer vite, là. Et non, tout le monde regarde. Tout le monde attend que je touche 10 reports d'affilée pour s'y mettre. Ah, c'est insupportable. J'avais des reports, au départ, je disais toujours, il faut une journée réparatrice par mois. Alors maintenant, on en est à plusieurs de journées réparatrices. Mais bon, faut quand même attaquer, quoi. Hein, sinon, vous êtes, je sais pas, ça vous génère pas des émotions, les reports? Moi, il y a que ça qui me génère comme émotion. Moi, je suis là pour les émotions et le report, c'est pour les émotions, hein. Eh oui, avec un peu de confiance, oui, perdu à Vincennes, cet hippodrome ne sert désormais qu'à ça. Hein. Il y avait des milliers d'euros à gagner aujourd'hui. Oui, mais Fred, il y avait beaucoup de femelles conseillées. Déjà, les femelles à Paris et en province, ça n'a strictement rien à voir. Ensuite, si j'ai un conseil en province, c'est qu'elles sont plutôt solides. C'est vrai. Le pick 5 pour Olivier. Bravo Olivier, tu as fait un champ. Alors, quand je mets moi en priorité, ça veut dire que vous pouvez en avouter. Hein. Je ne suis pas sûr de moi. De toute façon, j'ai mis le 12 et le 14 au hasard, j'aurais pu aussi bien mettre le 15. Hein. D'ailleurs, qui est cinquième après la disqualification de Carla Duhulme. Hein. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a autant de chevaux ferrés au second poteau, et on ne sait pas s'ils se promènent ou pas, il vaut mieux faire champ complet, là. Bon, mais bravo, Olivier, tu l'as touché. Hein. Le croisé la roche. Alors, je commence un petit report. J'avais monté ma cave à 760 euros avec les bonus au quintet. Et je lui dis, tu vas faire un petit report par 15 euros sur 5 courses. Alors je commence 15 euros placés sur lui, j'avais 25 euros. Là, j'ai regardé Bidouat, j'avais 40 euros. Et là, j'ai dit, tu auras bien Galbarenja ou Graal du Chêne. Et non, 6e médaille. Oh là là, ça m'a attristé. Oh. En plus, je ne mets pas le grand favori, Gala Durfist, le Nivard que je ne sentais pas. Jamais aimé ce cheval. Fabulo Deschats, un canter. Et dans le pic 5, j'en mets 2, les 2 à l'arrivée. Oh là là, j'en aurais eu un, je passais un beau report. Un deuxième pick 5 pour Olivier, qui joue bien en restant zen. Et oui, il joue pas trop cher. Voilà, il est tranquille. Il a pris son deuxième pick 5, il est content. En plus, il a dû toucher le rapport spécial, parce que je vois qu'il y avait le 12 dans son jeu, alors que le 12 a été déclaré non partant avant la course. C'est bien. Et Gouthier Céleste, déclassé, eh ben, elle n'était pas déclassée, elle n'était pas dans ses allures. Ben, moi, j'avais arrêté mon report à la 5e, hein, comme j'ai dit. Hein. J'ai trop mis de course, désolé, mais voilà. Daille à 1,3. Ouais, c'est pour vous redire qu'il n'y a pas de coup sûr aux courses. Hein. C'est dévissé après la ligne droite alors qu'il avait l'avantage. Bon, peut-être que je vais recevoir des tickets ce soir. Mais enfin, bon, faut commencer à s'y mettre au report en province. Sinon, vous ne gagnerez jamais rien aux courses. Hein. Et le GNT est très très ouvert à Reims. Normalement, on a des GNT où on peut limiter à 10 chevaux, 9-10, en faisant un 3+ ou un 2+. Là, à Reims, c'est pas du tout la même musique. Hein. Alors, on va faire des 4 plus 11 tranquille à 5,5. Hein. Voilà, j'ai quelques... il peut se passer des choses à Reims. Oui, oui, oui. Mais bon, ce que j'ai mis à côté, je ne suis pas sûr. Hein. Je vais revenir sur la réunion parce que vous avez bien vu que j'ai mis que des choses. Et qui... s'il y a déjà un cheval à l'arrivée, comme j'ai mis que des outsiders
et des notes indélicates, je ne sais pas ce qui va se passer. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.